Allez, barrons-nous avant que YouTube censure les nibards, vite! Aphrodite, je savais que tu me reviendrais. Kratos. Dis-moi, Aphrodite a-t-elle conquis un autre dieu de la guerre? C'est à ta femme que tu dois poser cette question. Je suis à la recherche du labyrinthe. Je pensais que tu ne cherchais que la flamme. Qu'y a-t-il de si important dans... Non! Ne t'approche pas d'elle! Ne t'approche pas de Pandore, Kratos! C'est à cause de toi qu'elle se trouve dans le labyrinthe! À cause de toi que je vis dans les enfers! Je ne t'ai fait aucun mal, Héphaïstos! Oh, mais si, Spartiate! Tu as ouvert la boîte! Je n'ai fait qu'accomplir mon destin. Tu ne comprends vraiment rien. Il était difficile d'enfermer les mots de la Grande Guerre. J'ai forgé cette boîte grâce à un pouvoir plus puissant que les dieux eux-mêmes. La flamme de l'Olympe. Alors que le métal prenait forme, j'ai réalisé que la flamme était le lieu le plus sûr pour la protéger. Le verrou était en place. Tout ce qu'il me fallait, c'était une clé et un moyen de récupérer la boîte. Issue des profondeurs de la flamme, la clé est venue à la vie. Pandore, une enfant, ni vivante, ni morte. J'ai appris à l'aimer, Spartiate. Et elle aussi, même comme un père. Lorsque Zeus est venu chercher la boîte, j'ai décidé de cacher Pandore. Je lui ai dit que le dos de Kronos devait être l'endroit le plus sûr pour cacher la boîte. Après tout, qui pourrait vaincre ce titan? Je lui ai menti. Je l'ai fait pour sauver mon enfant. Tu peux certainement me comprendre. C'est ta victoire, grâce à la boîte, qui a révélé ma supercherie. Zeus m'a torturé jusqu'à ce que j'avoue l'existence de ma Pandore bien-aimée. Il me l'a enlevée et m'a laissé seul à mon désespoir. Tu ne comprends pas si tu l'amènes à la flamme. Que les choses soient claires, Dieu Forgeron. Rien ne pourra m'empêcher d'éliminer Zeus. Mais si tu... Tu as raison, Spartiate. Si cela implique la mort de Zeus, je serai heureux de t'aider. Peut-être. Oui, oui, peut-être. Nous avons besoin de la pierre d'Omphalos. Je te fabriquerai une arme avec. J'ai déjà des armes. Oh, mais il y a une différence. Cette arme-là te donnera la récompense que tu as méritée à juste titre. La pierre repose dans le gouffre du Tartare. Si tu me la portes, je t'aiderai. Parce qu'en vrai, connaissant Kratos, techniquement, il n'hésitera pas à sacrifier la fille, hein. D'ailleurs, je me demande si c'est pas ce qui va arriver, d'ailleurs. C'est pas par là que je voulais aller, le jeu, bordel. Et pour... Ah, mais d'accord, il va par là parce qu'il... Oui. Putain, je suis un petit peu déçu, j'ai amélioré les armes... Au max, et... leur skin n'a pas l'air d'avoir changé. Pourquoi il a rigolé cet enculé en fermant la porte? Les âmes d'Hadès ont été libérées, leur seigneur et maître est mort, mais elles errent sans fin, ne trouvant leur salut nulle part. Bonjour l'âme. Pouic, pouic, pouic. Où ça pouille? Où ça pouille? Encore un centaure, pardon. J'allais dire un minotaure. Oh, t'es moche en fait! Oh, ta texture est dégueulasse!
Et ton cul t'es grand mort, Centaure. Ah merde, j'avais pas vu qu'on pouvait spammer la touche. Aïe. Aïe. Merde, putain. Qui veut de la vache qui rit ? Kiri kiri kiri. En fait, je trouve que, vous savez, le petit son que ça fait quand on améliore les armes, ça donnerait presque envie d'aller pisser à chaque fois. Moi je dirais qu'on est environ à la moitié du jeu, et vous ? Peut-être un peu plus. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'attend ici ? What ? Oh, c'est juste ça. Tiens, cadeau. Hé, hey, la chimère, là, dégage. Ah, allez, là, je peux pas croire à chaque fois. Ah, deux. Magnifique. Monsieur, je vous refais les côtes. Je vous fais une Manson. Même si c'est faux. Ouais, d'où là? J'ai fait une esquive là. Mes frames d'invulnérabilité, ils étaient où là? Ils étaient en grève? Ils étaient chez Ares? Monsieur, je vous lave la vitre! Bâtard.
Alors je peux aller à droite ou je peux aller à gauche? Je vais aller à gauche parce que je sens que c'est pas c'est le bon chemin. Enfin, c'est le mauvais chemin. À quoi de faire ça en fait? Oh putain, ça va m'énerver, je crois ça. Oh oui, ça va m'énerver. Oh, j'ai fait le con, j'avais pas dû prendre par là, quoique... Et 1, et 2, et 3, et on saute. Non ! Je te sais mort. Et il manquera... Ouh, elle sent mauvais, là. On a un zoom de caméra, tout ça. Ça sent un petit peu le boss, bientôt, là. Faut juste des ennemis à la con. Champ de bataille légendaire où a eu lieu la grande guerre entre les dieux et les titans. Après leur défaite, les titans survivants y furent bannis pour l'éternité. Thank you.
Plus de sang pour les points. Allez. Pas de câlin, non. Exécuter Arès. Tu as tué Arès par soif de vengeance. Mais cette fois, l'heure de ma récompense a sonné, Spartiate. Kratos, ta mort sera longue et douloureuse. Dit-il alors qu'il essaie de m'écraser quand même. Ah d'accord, pour l'aveugler. La la la, c'est l'heure du nettoyage, Lucette. Rien. Je jure, c'est pas moi. Attends, je vais tirer cet abcès là. Eh monsieur, je vous refais les ongles. Eh hey monsieur, balancez vos ongles là. Je vous fais une petite manucure.
dégueu. Ah, ah, c'est dégueulasse. Ouh, il y a des mots qui vont être regrettés là. Et... Attrape-moi si tu peux. Oh sa mère. Quand t'as la flemme, t'as la flemme. Et quand t'as la giga flemme, t'as la giga flemme. Comment est-ce qu'un squelette peut saigner, les gens ? Vous m'expliquez ? Elle a plus de mana! Oh merde! C'est pas vrai, je suis pas là! Disais. Maintenant tu sors l'épée, Kratos. Où étais-tu passé? Où étais-tu passé, dit-il, alors que j'étais sous sa main il y a 2 secondes? Oui, bien sûr. T'as vu la taille, la différence de taille? Oh merde! Il n'y a aucune issue. Ah, sérieux? Pourquoi t'en fous? M'enfuis pas, c'est pas vrai! Il n'y a aucune issue. Oh, il est moche ce truc! Qu'est-ce qui se passe quand t'as un abcès, c'est ça, ou un truc en genre? Oh, il a ses culs en plus! Ouais, c'est dégueulasse!
Et sérieux? What? Va faire quoi? Descends là, on est d'accord. Techniquement, on lui a arraché l'œsophage là, non? Vous avez obtenu la pierre. Ah! Tu as eu ce que tu voulais. Laisse-moi tranquille. Ah bah non, t'as essayé de me tuer, donc maintenant on va te tuer, hein. GG Kratos, c'est le plus beau! On est encore en lui là ou on est ailleurs? Tu m'as envoyé me faire tuer! Non, 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 calme-toi, Kratos. Je savais que tu pouvais relever le défi. Il me faut absolument cette pierre d'Omphalos, tu verras. Dépêche-toi, vieil homme! Une arme comme celle-ci ne peut pas se forger à la hâte. Ah. Ton attente sera récompensée. Une arme d'une finesse incomparable. Comme promis. Voici ta récompense. Ah!
Bâtard! Merveilleuse Pandore. Pitié, épargne-la. Pandore, pardonne-moi. Paix à ton âme, sale traître. C'est les lames les plus puissantes du jeu. Oh, les combos, ils sont stylés avec. Ça, j'avoue, ils sont vraiment stylés, les combos. Ah, t'inquiète pas, je me suis douté que c'était la dernière arme du jeu. Il reste plus qu'un quart du jeu là ? Déjà ? Quoi ces QTE qui marchent pas là ? Me casse ! Le fouet de Némésis est à toi, Kratos. Ceux qui oseront te barrer la route goûteront à son électricité. N'empêche, elle vit bien la mort de son mari. Ouais, c'est pas faux. En même temps, techniquement, elle l'a trompé 2 minutes avant que Kratos le revoie, donc... Si vous voulez voir du cul dans God of War, allez sur Google et tapez God of War porn. C'est ça qu'il faut faire ? Ah mais d'accord, le fait de... Ah mais juste le fait de taper électrocute. J'avais pas tilté que ça électrocutait directement.
Allez, on prend ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a un truc à faire avec ce machin, on est d'accord. Ça. Et merde! Non! Mais quoi? Ah mais oui, c'est vrai, on est plus haut, j'avais zappé. Hein? Faut faire quoi? Quoi cette embrouille? Comment est-ce qu'on chope les... Ouvre la porte. Comment j'ouvre la porte? Ils sont à moi. Ils sont à moi. Oh mais non. Oh la tristesse. Y'a rien de planqué dans le coin à tout hasard. Et de la vie. Faire enculer le jeu. Va te faire enculer royalement. Dédale ça?